Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les feutres Faber-Castell. Voilà, donc ce sont les Pitt Artist Pen Brush. Voilà. Donc là c'est la boîte de 60 feutres. Donc ce sont des feutres qui sont à base d'encre de Chine, donc c'est l'encre de Chine pigmentée. Donc ce sont de très bons feutres. Voilà, de toute façon Faber-Castell, on sait que c'est déjà une très bonne marque. Hein, toutes celles qui font du coloriage connaissent la marque. Voilà, Fifi qui passe. Une petite queue qui passe. Merci Fifi. Ça y est, t'es installée. Bon. Donc voilà. Je vous montre déjà. Alors, hop, ici le nuancier de la boîte. Voilà. Alors, je vais pousser Fifi parce que sinon je ne pourrais pas bien vous montrer les feutres. Mets-toi là, mon bébé. Hop. Donc, on a une très belle boîte. Donc, comme c'est le Faber-Castell, c'est Made in Germany. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, voilà la boîte que l'on a. Donc voilà les feutres, ça c'est le petit livret, et donc on a, alors j'essaye de pas faire de bêtises, je vais les poser pour le faire. Voilà. Hop. Ah. Alors je l'attache. Voilà. J'avais des pifs, j'avais des feutres. J'ai des feutres qui veulent se sauver. Voilà. Et donc, voilà comment se présente la boîte. Donc, vous voyez, il y a la petite ficelle. Là, je l'ai attachée. C'est pour pas que les feutres redescendent. Avec le petit ruban, vous soulevez et vos feutres se présentent comme ceci. Voilà. Donc voilà, toutes les couleurs. Donc, je vais vous sortir un feutre pour vous montrer comment ils sont. Voilà, donc, les feutres. Donc, c'est une seule pointe, hein, bien sûr. Et voilà la pointe. Alors, comme j'ai dit, là, vous connaissez, c'est des feutres d'une très grande marque. Ceux-là, ils sont pas pour moi. Ils sont pour Chouchou. Ils sont pour mon mari, parce que moi, j'ai récupéré, donc, ceux-là, ceux que je lui avais acheté, la grosse trousse. En fin de compte, ça lui convenait pas. Et j'ai dit, bah, tant qu'à faire, on va lui acheter quelque chose encore mieux. Donc, je lui ai pris donc cela, les Faber-Castell. Et là, il a fait son coloriage cet après-midi avec. Et je vais vous le montrer là tout de suite après. Et vraiment, c'était nickel avec. Donc, lui, il ne fait que du coloriage mystère. Et donc, avec ces feutres-là, pas de problème. Ça ne traverse pas, pas de traces, vraiment superbe. Alors, je vais vous montrer son dessin. Donc voilà, vous avez vu son dessin. C'était vraiment top. Donc, son dessin est extrait du...
du livre Trombinoscope, le coloriage mystère Trombinoscope. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, ce sont tous les des portraits de personnes connues. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille pour vous montrer. Alors, je vais peut-être allumer pour qu'on voit un peu mieux. Ah oui, non, c'est pas branché. Bon, j'espère que ça ira. Je vais vous montrer donc au niveau de l'écriture, enfin du. Hop. Alors, si j'arrive, tu veux bien, voilà. Alors, vous voyez déjà niveau finesse, même pour écrire. Y a pas de problème. Et niveau coloriage, voilà, il n'y a aucun souci. On va essayer avec une autre couleur. Allez, on va prendre un rouge. Et vraiment tip top, hein. Les couleurs sont vraiment éclatantes, je trouve. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme couleur? Allez, un petit bleu pour vous montrer. Voilà. Vraiment cette boîte est vraiment vraiment top. Bon, là je l'ai fait sur du castoc, donc, mais ça ne traverse pas, il n'y a aucun problème. Et le noir, le noir est bien bien noir. Voilà. Bon, cette boîte, elle est nickel au niveau de ce qu'elle apporte, hein. Il y a aucun souci. Bien sûr, au niveau prix, ça, on sait que c'est du Faber-Castell. Donc, là, on va dire qu'on n'y peut rien, hein. Alors, malgré que là, alors moi je l'ai eu moins cher, là elle a augmenté en une journée. Alors, Amazon, c'est ça. Quand vous avez envie d'avoir quelque chose, mettez-le dans le panier. Si vous n'avez pas besoin de l'acheter tout de suite, mettez-le dans le panier et puis vous attendez. Parce que les prix fluctuent tous les jours. Là, nous, hier, on l'a commandé hier et le prix a changé. De 20 euros, ouais, il a augmenté de 20 euros depuis hier, donc c'est ça. Chez Amazon, faut mettre dans le panier. Puis quand vous voyez que, ben, que le prix descend, de toute façon, vous avez des notifications, ben, c'est là que vous achetez. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Là, je sais que hier il ne restait plus qu'une seule boîte en stock. Là, aujourd'hui, ils ont refait le stock complet, puisque maintenant il est marqué stock complet. Et du coup, ils en ont profité pour augmenter. Donc, si vous en voulez des boîtes comme ça, ben, vous mettez dans le panier, puis vous attendez quelques jours et le prix va baisser. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon investissement. Il n'y a aucun problème sur ces feutres. On voit bien là, au niveau des couleurs, ça ne traverse pas. Voilà. Bon, là, bien sûr, vous n'avez qu'une seule pointe, hein, comme j'avais dit. Je vous la remontre. Et vous n'avez qu'une seule pointe, une pointe brush, mais fine. Mais ils sont vraiment nickel, nickel. Voilà. Euh,
Alors, je vais me remettre la caméra face à moi. Voilà. Donc, je remonte la boîte, encore ouverte. Voilà, avec toutes les couleurs. Donc, il y a 60 feutres. Ils sont vraiment nickel. Et hop, ça se referme tout seul, vous voyez. Une fois que vous lâchez la petite cordelette, ils se remettent tout seuls dans leur boîte. Alors, le petit livret, le voici. Alors, dedans, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils parlent de la société Faber-Castell. Alors, je cherche en français, hein, parce que bien sûr, ils écrivent dans toutes les langues. Alors, voilà. Alors, encre, produit aux propriétés exceptionnelles, encre de Chine à base d'eau, riche en pigments résistants à la lumière et inodore. C'est vrai que là, je n'ai senti aucune odeur par rapport aux autres produits que l'on peut avoir. Encre permanente après le séchage. Ne traverse pas le papier. Différentes largeurs de pointe pour tracer des lignes et colorier de grandes surfaces. Pour l'écriture, l'esquisse et le dessin s'utilisent sur de nombreuses matières comme le papier, un châssis ou du bois, idéal pour les techniques mixtes. Voilà, vous voyez, même sur du bois, vous pouvez vous en servir. Alors, sinon, voilà, ici, vous avez un petit nuancier. Là, il montre les autres pit artistes. Voilà, vous voyez, avec les différentes pointes. Là, ce sont les pit artistes. La référence est 167-150. Sinon, après, bon, il parle de beaucoup de la société. Alors, la pointe pinceau souple, unique, permet de créer des œuvres harmonieuses avec des épaisseurs de traits variées. Grâce au dégradé de gris, des possibilités d'expression artistique sont nombreuses. Ah oui, non, c'est pas pour cela. Ça, ce sont pour les Pit Artist Pen Soft Brush. Voilà. D'accord. Ça, c'est... Ceux-là écrivent qu'en gris. Donc, c'est pas les mêmes. Oui, là, après, ils parlent des autres feutres. D'accord, oui. J'avais pas fait attention. Il y a aussi des métalliques, vous voyez. Il existe les Pit Artist Pen métalliques. Voilà. Donc là-dedans, on vous montre tous les autres feutres qui existent dans cette série-là. Donc voilà. Bah, écoutez, moi j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Ça vous donnera peut-être envie de les acheter. Bien sûr, ça dépend des finances, hein. Je sais bien que là, tout le monde ne peut pas acheter ce genre de feutre. Oui, non, c'est ce que je vous ai déjà dit. Je sais bien que tout le monde ne peut pas acheter ce genre de feutre. Bon, là, je vais vous dire, je ne les ai pas payés en une fois. Hein. Non. Comme sur Amazon, on peut payer en 4 fois, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, je voulais faire plaisir à mon mari. Comme, bon, du coup, l'autre pochette, ça n'allait pas. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, allez, hop, on va prendre le must du must. Et là, au moins, il sera content. Et là, il est content. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chouchous? Donc, voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.